bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau mercredi, hein, jour de Mercure, jour de... Je me pose la question, on est bien... Oui, c'était bien lundi hier, mardi hier, non, avant-hier, on est bien mercredi. Voilà, merci pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages et vos abonnements. Il est très tôt ce matin, donc excusez-moi, il faut que je remette les neurones en place. Alors, j'espère que vous allez bien, tout simplement, ce beau mercredi, jour du blabla. Au gouverne qui ment, comme d'habitude, on nous raconte des carabistouilles, mais bon, vous avez l'habitude, nous avons l'habitude. Donc, nous allons faire une vidéo aujourd'hui, complètement différente, enfin, de toute façon, ça va parler... on va chercher un peu les choses différemment. On va faire le voyage dans le temps. Pourquoi? Parce que je suis tombée sur un article concernant le chronoviseur. Qu'est-ce que c'est que le chronoviseur? Donc ça aurait été créé entre 1956 et 1965, un pape aurait demandé un don, enfin on va pas donner les noms parce que j'évite de donner les noms, de créer une machine qui traverse le temps. Il voulait juste vérifier que Jésus ait bien existé et de donner la preuve au monde que Jésus avait bien existé, tout simplement. Apparemment, ça aurait marché, je dis au conditionnel, parce qu'on n'en a pas la preuve aujourd'hui, etc. Donc, je me suis servi de cette histoire, tout simplement pour aller voir, pas si c'était vrai, mais tout au moins savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on peut voyager à travers le temps? Ça nous intéresse plus. Et est-ce qu'il existe des portes, des endroits où on peut passer à travers le temps et l'espace? Ou tout au moins, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer à travers, vous savez, à travers les époques, est-ce qu'on peut le faire ou pas, etc. D'accord, je vous rappelle l'espace-temps matière. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, je vous donnerai un secret par rapport à ça, à l'espace-temps matière. Un jour, j'ai fait une découverte et je vous en parlerai. D'accord, par rapport à l'espace-temps matière. À partir du moment où vous espace-temps matière, à partir du moment où vous enlevez un des éléments, le temps n'existe plus. Et j'avais prouvé ça un jour lors d'une discussion avec des scientifiques. Effectivement, c'est possible. Alors, allons-y. Je me mêle un peu les pinceaux ce matin. J'ai pris donc le tarot grand luxe, tout simplement, et on va aller voir ça ensemble. Est-ce qu'il est possible de voyager à travers le temps? Je ne sais pas du tout ce que ça va nous donner, comme d'habitude, les amis. On va voir où on va. Espace-temps, matière. Ah, ben, c'est pas ça. Est-ce qu'il est possible... Je suis traumatisée ce matin. Voilà. Excusez-moi, hier, c'était mon anniv. Alors, j'ai un petit peu abusé des bonnes choses. Voilà. Donc, tout simplement, c'était mon anniv à moi, pas ma chaîne, hein, la mienne. Tout simplement. Alors... Hop, dites-moi, est-ce qu'il est possible de passer à travers le temps, l'espace, le voyage à travers le temps? C'est vrai que j'en ai un peu marre de parler de ces branquignoles qui, de toute façon, voilà. Hop, attendez, j'ai une carte qui est tombée, je la récupère, voilà, hop. Oh, c'est compliqué ce matin. Voilà, donc je rapproche un peu les cartes près de vous, hein, tout simplement, pour que vous ayez un accès visuel au tirage. Donc dites-moi concernant le voyage à travers le temps, est-ce que c'est possible? Quelles vont être les réponses? Alors j'aime beaucoup le tarot, si vous voulez, parce qu'il répond très très bien, enfin n'importe quel tarot, hein, après chaque tarot, et c'est vrai, est un parcours initiatique différent. C'est pour ça que je préfère celui-ci, enfin le tarot aux oracles. Excusez-moi, ce matin, c'est un peu... Il faut que je mette les yeux en face des trous, hein. Franchement, il y a des jours comme ça. Alors, dites-moi simplement... Hop. Alors, ça commence à chauffer. Quand ça commence à chauffer, ça veut dire que je rentre dans un rapport avec l'au-delà, enfin, le monde médiumnique assez intense. Voilà. Voilà. Hop. Donc, dites-moi concernant le voyage à travers le temps.
Alors, je pourrais tirer en amont hein, les cartes, mais je trouve que ça serait pas honnête vis-à-vis de vous. Il y en a qui le font, mais moi pas. Voilà, dites-moi, qu'est-ce qui fait le voyage à travers le temps? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Alors, c'est bien parce que quand là, j'ai pas le côté analytique chez moi n'est pas ouvert, donc ça va me permettre d'avoir plus de perception sensorielle. Donc, on me parle bien de mort, donc quelque chose qui passe à travers, qui n'a plus rien à voir avec quelque chose de physique. On me parle de quoi? Ah, en fait, on me dit clairement, c'est une décision personnelle. Donc, d'entrée de jeu, on me parle de quelque chose qui n'est pas physique. Donc, on ne me dit pas qu'il n'y a pas de porte. Il faudrait reprogrammer, c'est comme s'il fallait reprogrammer votre cerveau. D'accord, c'est une reprogrammation cérébrale, une vision des choses. D'ailleurs, je vous encourage à la méditation ou à la prière. Hein. N'importe quelle religion, c'est pas un problème. Mais je vous le dis, là, ça me le dit clairement. Il y a bien, il faut abandonner la matière pour passer à une autre évolution. C'est ce que j'appelle un état de conscience modifié à titre personnel. Et il va falloir reconsidérer toutes vos propres valeurs. D'accord? C'est un changement radical par rapport à vos propres valeurs et vos propres croyances. Donc, ça correspond avec ce que j'ai. Vous savez, comme je suis, je fais de la magie cérémonielle, je peux comprendre ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on est tous éducastrés à la base, éducation, hein, et castration. On est tous éducastrés à la base qui nous empêche d'accéder à ses propres valeurs. Je rappelle que dans le temps des Esséniens, donc en haute école d'Égypte, les Esséniens enseignaient ce genre de choses qui ne sont plus... Si on retrouve un peu chez les bouddhistes, ce genre de valeurs où on peut passer au-dessus. Donc ça veut dire, ils ne disent pas que vous allez mourir, simplement il faut que vous abandonniez vos croyances, il faut que vous abandonniez votre façon de penser, et là ça me dit comme si vous rajeunissez. Ah, attendez, ça correspond à ce que je pense, c'est-à-dire c'est comme si vous allez redevenir jeune après, d'accord, ça veut dire que votre état physique actuel peut être modifié. Je vous ai parlé de la méduse immortelle, allez voir sur YouTube, hein, vous trouverez la méduse immortelle. Alors, elle a un nom en latin, coucher dehors, mais là, je peux vous annoncer d'entrée de jeu qu'effectivement, il faut reconsidérer vos propres valeurs de ce que vous avez appris, d'accord, et être strict vis-à-vis de vous-même, ne pas avoir de, ouais, là, ça dit carrément l'inverse, c'est-à-dire pas avoir de croyance, pas avoir de pensée par rapport à ce que vous avez vécu ou votre éducation que vous ayez reçue. Donc là, d'entrée jeu, ça me parle, oui, mais à condition que vous abandonniez vos propres croyances. Pas religieuses, hein? Non. Croyances d'éducation. Alors ici, abandonner le sens des valeurs. Métier de la force, pourquoi? Donc c'est de vous hein, dont on parle. Une autre force, une autre, voyez quand vous voyez le lion comme ça, bien sûr, une très jolie carte, mais vous dire comme si à partir de ce moment-là, vous alliez pouvoir, avoir le pouvoir, c'est quel pouvoir, excusez-moi pour le lapsus, mais je vous dirais sincèrement, avoir le pouvoir sur les éléments, les quatre éléments, vous connaissez, terre, eau, feu, etc. Donc si vous voulez, me dites clairement que vous allez pouvoir passer au-dessus. La matière disparaît et la lumière apparaît. Donc ça me dit d'entrée de jeu, c'est une notion de lumière. Il va falloir abandonner pour avoir cela, voyage dans le temps, abandonner toutes vos propres valeurs et rentrer dans un monde beaucoup plus... Alors spirituel, là ça me dit, vous pourriez me dire religieux, pas du tout. C'est plus dans un sens de reliement, d'accord, dans la méditation ou autre. Et là, vous allez, en fait, vous devez faire un état de conscience modifié. Mais c'est assez étrange parce qu'à la fois, j'ai la sensation, il y a un état de conscience modifié, bon, ça, on le sait, mais j'ai des portes quelque part, d'accord? Et à ce moment-là, certaines personnes ont accès à ces portes.
Alors, j'ai vécu ça dans un village, il faut que je vous mette ça dans la communauté. C'est à Borée. À Borée, en Ardèche, Borée, Boree. Il y a un site qu'ils ont reconstruit, alors ça a été refait, où il y a toutes les langues, tous les langages ésotériques que vous allez retrouver sur les pierres. Mais c'est très particulier, il faudra que je vous en parle. C'est pas loin de chez moi et j'aime autant vous dire qu'il se passe des choses là-bas. Alors ici, qu'est-ce que nous avons par rapport à ce voyage dans le temps? Certaines valeurs n'ont pas accès là-dedans, d'accord? Donc tous ceux qui vivent dans le monde satanique, c'est-à-dire dans le monde de la matière, faut bien vous dire que le monde satanique, c'est le monde de la matière. Si vous y allez avec force, vous n'y arriverez pas. Si vous y allez avec vos valeurs personnelles, vous n'y arriverez pas. Et là, ça vous dit clairement, il faut partir seul à l'aventure. D'accord? Donc déjà, les quatre piliers de la magie pour moi sont savoir, pouvoir, oser se faire, se taire, pardon. Et là, on vous dit clairement, pars seul à l'aventure et ferme ta boîte à fromage. Et surtout, ne sois pas dans la symbolique de la dualité. Je vous dis toujours, le 3 gouverne, le 5 la compose, le 7 le rend parfait. Et si nous avons les trois éléments majeurs, c'est-à-dire les trois corps, qui doivent se rejoindre au plus profond de vous. D'accord? Là, c'est impressionnant. Excusez-moi, parce que là, je suis impressionnée moi-même, parce qu'il est en train de dire, parce que, bon, j'ai vécu ce genre de choses, j'ai fait en public un rituel justement à Borée, où j'ai prouvé qu'on pouvait faire venir la pluie, danser les nuages et compagnie, dans cette magie cérémonielle, puisque l'endroit qui a été recréé, donc je vais vous le mettre dans la communauté, vous verrez par vous-même. C'est prodigieux, même mon mari est allé sur place et s'est mis à pleurer comme un gamin, tout simplement parce que l'endroit est particulier. Nous sommes au bord du mont Mézenc, qui est très connu pour le triangle, pour être le triangle de la Burle, etc. Enfin, c'est un endroit magique là-bas. Donc ici nous avons, il faut bien, alors là c'est par rapport à votre savoir, on me dit plus, c'est pas par rapport à l'argent, parce qu'ici vous voyez j'ai une map monde. J'ai tous des éléments pour construire quelque chose et décrire et vous préparer ce voyage parce qu'apparemment c'est un voyage qui doit être bien calibré. Calibré enfin, qui doit bien être construit. Voilà, ben là, nous l'avons. Nous l'avons ici. Effectivement, ça doit passer dans un premier temps. Et là, ils insistent sur cet état de conscience modifié. Tant que vous n'aurez pas compris que ça va passer par quelque chose qui est à l'intérieur de vous, alors vous ne l'aurez pas, ça, rien ne s'ouvrira. D'accord? Nous avons les trois lunes qui me disent que, ah, pourquoi la nuit? D'accord? Pourquoi la nuit? La chouette ici, vous voyez, on a une petite chouette, si vous faites, la petite chouette m'indique que c'est la sagesse, c'est le monde occulte. Et là, nous avons les deux piliers qui me disent Jacquin, Boaz, ça parlera à beaucoup de monde, bien sûr. Et nous avons derrière le voile d'Isis, donc les choses s'ouvriront. Il ne faut certainement pas être frappadingue pour entrer dans cette phase. Ah ben voilà. Voilà, de ce que je connais personnellement. Et là, vous avez le magicien. Vous savez, je ne sais jamais lequel tarot je vais prendre le matin. Il y a des fois. Je ne suis pas convaincue par un tarot, et puis finalement, ça me parle. Ici, vous voyez, nous avons le magicien, donc la création, celui qui va faire les choses. Nous sommes dans le monde occulte, et chaque fois, nous avons une chouette qui est derrière, avec la connaissance, bien évidemment. Et automatiquement, alors là, moi, ça me parle, bien évidemment. Regardez, je vais vous montrer, les amis, justement, on va partager ça ensemble. Mon fameux livre, il est où? Ah, celui-ci, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi les amis, comme ça je partage avec vous. Je vous ai parlé longtemps de ce livre, un livre qu'on ne retrouve pas ou tout au moins à des prix hyper chers. La véritable science des mages de Donald Michael Craig, d'accord? Et quand vous voyez, là on peut le représenter par le Butler. Alors ce livre est pour moi magique, c'est celui qui m'a donné toutes les forces. Comment vous dirais-je, on peut passer à travers le temps et l'espace, oui, mais on peut faire d'autres choses encore plus magiques. Et je ne l'ai pas, attendez, il faudrait que je le retrouve. Donc, il va vous expliquer sous forme.
Mais à l'intérieur, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et on retrouve justement, j'ai pas le temps de chercher ici, mais on retrouve dans le magicien, vous voyez, quand il fait ça entre les mains, d'accord, tout est inscrit entre les mains, l'eau, la terre, le feu, etc., et l'éther. Je vous dirai simplement, c'est tout à l'intérieur et ça vous explique. Alors, si vous trouvez ce livre, que vous voulez vraiment devenir mage, c'est sûr que ça va changer votre existence, d'accord? Ce livre va vous changer. Mais là, effectivement, dans cette carte, j'ai exactement tout ce qui est à l'intérieur ici. Hein. C'est un livre, je l'ai pas... Alors, le premier que j'ai reçu en deux fois. Je l'ai reçu de Toulouse, celui-là. Excusez-moi, parce que je suis impressionnée en même temps, parce qu'à travers cette carte, je viens de retrouver tous les éléments dans ce bouquin. Bon, c'est vrai que c'est un livre qui coûte une blinde aujourd'hui, parce qu'il n'a pas été... Donald Michael Gregg est mort, hein. Il est décédé à 60 ans. Et il avait un temple de sorciers à San Francisco. Voilà, donc il me dit clairement, excusez-moi les amis, mais là j'ai plein d'informations génialissimes, il faut apprendre à abandonner tout, créer cet ensemble de conscience modifiée, et le livre que je viens de vous montrer, donc la véritable science d'image, va justement vous faire, là moi ça me parle complètement quoi, il vous explique qu'il faut que vous dominiez les éléments, d'accord, donc il y a des exercices qui sont à l'intérieur du bouquin bien sûr, pour dominer les éléments, d'accord. Donc vraiment c'est quelque chose là qui est hyper magique, d'accord. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Ici nous avons quoi? D'accord, donc très bien, aucune communication, vous ne devez pas parler si vous voulez vraiment y accéder, aucune communication avec qui que ce soit, surtout pas avec votre famille, votre conjoint ou autre, ça reste quelque chose de secret. À titre personnel, je vais vous faire une confidence, j'ai la chance d'avoir un mari exceptionnel, ça je le dis souvent et je le reconnais et je le dis, parce qu'il me laisse travailler sans me poser des questions. D'accord. Quand je suis dans mon occultum, il ne vient pas me déranger. D'ailleurs, il m'a donné une clé pour fermer ma porte. Il m'a dit, comme ça, tu fermes ta porte, il n'y a personne qui te dérange. Voilà, c'est la première fois de ma vie que j'ai quelqu'un de pareil. Donc, ce qui me permet aujourd'hui de vous dire, il faut rester en silence par rapport à vos propres familles. Et ce voyage, alors il me dit, il doit... Ah mon Dieu. En fait, c'est un état de conscience modifié qui vous emmène à l'envers... à l'opposé de vos croyances, d'accord, à l'opposé de vos croyances et de tout ce que l'on vous a appris. On reparlera de la glande pinéale très souvent ensemble, qui est pour moi un outil, elle fait 0 g 116, hein, mais c'est un outil considérable, c'est un outil considérable, pour tout ce qui est justement voyage dans le temps, mais pour tout ce que vous voulez faire dans la vie. C'est pour ça que je vous encourage vivement à soigner votre glande pinéale. Bon, voyage à travers le temps. À partir de ce moment-là, dans tout ce que je vous ai expliqué, j'espère que ça n'a pas été trop confus, je dirais vous aurez accès effectivement à un nouveau monde. Donc le voyage dans le temps est déjà possible, ça me le dit sérieusement, ici... D'accord, donc il faut apprendre, donc là on vous montre comment on appelle ça, c'est un projet qui doit être caché et surtout pas d'association avec qui que ce soit. Et si vous voulez engager ce voyage, c'est un peu comme un peu la magie, vous ne parlez pas de tous vos secrets, ce qui est personnel par exemple vis-à-vis de moi. Dans tout ce que je fais actuellement, ça reste au secret, surtout que je suis rentrée dans une phase magique très importante pour moi. Donc, je vais droit dessus. Donc là, me dit, vous devez rester caché par rapport au monde de ce que vous allez réaliser. Donc, je vous annonce, si vous avez un occultum, un placard, un endroit, n'importe quoi, vous mettez dedans où vous travaillez, vous faites ce que je vous ai dit au niveau, il faut travailler sur les éléments. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez travailler sur l'élément du vent, tout simplement, vous asseyez sur un fauteuil face à l'est, d'accord? Pour le vent, c'est face à l'est, pour le feu, c'est face au sud, pour l'eau, c'est face à l'ouest, et pour la terre, c'est face au nord.
Vous asseyez sur votre fauteuil, mettez une musique douce, voilà, et vous visualisez, par exemple pour le vent, vous visualisez le vent jusqu'à ce qu'il prenne corps autour de vous. Si vous faites cela tous les jours, vous allez vous apercevoir qu'à un moment donné, vous allez être transporté, que le vent va véritablement venir, d'accord? C'est pareil pour le feu et pour les autres éléments derrière. Je le sais parce que bon, je connais ce genre de truc-là. Communication. Pourquoi ça me parle de communication? Non, laissez couler les choses automatiquement. Vous rentrez dans une phase complètement hors temps, hors sol. Vous allez recréer d'autres images. Vous allez vous apercevoir qu'il va se passer des choses, que l'espace-temps va. En fait, vous allez voyager à travers le temps et à travers l'espace en faisant exactement. Donc, de chez vous déjà, vous pouvez le faire. Alors moi, ça, je le sais parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois chez moi. De chez vous, vous pouvez le faire aisément si vous vous concentrez sur les quatre éléments, que vous abandonnez la matière, toute votre éducation, toute votre façon de penser doit complètement s'écarter devant cette nouvelle réalité. Donc le voyage à travers le temps, effectivement, marche. D'accord? Alors, concernant le chronoviseur, parce que là, ça me donne un exemple, concernant le chronoviseur du Vatican, je n'y crois pas un seul instant. D'accord? Je n'y crois pas un seul instant. C'est du fake. Pour moi, c'est vraiment du fake. Donc ici, qu'est-ce que ça me dit? Vous allez rentrer dans d'autres réalités, effectivement. Vous devez abandonner les armes, vous devez tout laisser tomber par rapport à la négativité, enfin la méchanceté, quoi que ce soit, le ressenti, et automatiquement vous allez devenir un roi dans cette nouvelle réalité, mais un roi qui crée une nouvelle vie, d'accord? Vous voyez, vous avez un petit bambi en dessous avec un petit papillon, me dit clairement, il est bien ce jeu-là, qui me dit clairement que vous allez rentrer dans d'autres valeurs, vous allez créer votre propre réalité. Est-ce que vous allez croiser des gens? Oui. Pourquoi? Parce que je l'ai fait moi-même, donc je sais. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc c'est comme si vous étiez plus du tout la même personne, mais en fait, c'est comme si votre esprit. Il faudrait que je vous explique ça un jour. Vous avez une âme qui ressemble à un camembert, vous savez, puis autrefois, je ne sais pas si ça existe toujours, il y avait des camemberts qui étaient coupés en petits morceaux, d'accord? Et ça représente un esprit. En fait, vous êtes venu, moi, pour la réincarnation, ça me parle, vous avez une âme et avec plein d'esprits, d'accord? Donc, c'est comme s'il y avait un esprit qui disparaissait pour laisser place, pour ça que moi, la mort n'existe pas du tout, pour laisser place à une nouvelle personnalité qui sera vous, hein, de la même façon, et vous réussirez à vaincre le temps, la matière et l'espace sans aucun problème. Pour ceux qui veulent vraiment, là je viens de vous donner des codes, vous repassez la vidéo pour bien comprendre comment il faut faire, méditation, prière, toujours à 18h, très important. Donc, si vous le faites réellement, il va se produire des événements de recréation d'une autre vie et vous passerez à travers le temps et l'espace. Simplement, le danger, c'est que si vous êtes en couple ou dans une famille un peu, enfin, un peu coincée du bidon, je vous dirais attention parce qu'ils ne comprendront pas votre changement. Vous allez changer radicalement. D'accord? Vous allez changer radicalement. Est-ce que c'est possible de le faire? Oui, mais il va falloir travailler, étudier et faire cet état de conscience modifié où toutes les valeurs qu'on vous aura apprises disparaîtront. L'étoile, voilà. Donc, doit surgir, et là, ça me parle de la glande pinéale aussi, bien évidemment, doit surgir au plus profond au plus profond de vous, c'est cette lumière. Divine, entre guillemets, d'ailleurs, qu'on retrouve chez les grands yogis ou les trucs comme ça, d'accord, je pense à Bouddha en particulier, vous devez faire fonctionner uniquement votre lumière et c'est votre état lumière qui va vous faire accéder à ce nouvel état de lumière, enfin, cet état d'espace-temps qui fait que vous allez passer à travers le temps, d'accord, c'est votre lumière intérieure. En fait, votre corps est un réceptacle. Et rien d'autre.
Voilà. En plus, on me dit, on vous donne le conseil, faites-le la nuit. Alors, moi, ça me parle à 3 h du matin. D'ailleurs, je parle souvent. À 3 h 15 du matin, il se passe des phénomènes incroyables. D'ailleurs, je vais vous le dire, si à 3 h 15 du matin, vous êtes réveillé, je vous donne le conseil de vous mettre en méditation à 3 h 15 pile, hein, j'entends. Réveillez-vous, mettez-vous dans votre canapé où vous voulez et vous méditez, vous vous reliez avec l'au-delà et vous verrez, ils veulent travailler sur vous. Donc cet état lumière se passe la nuit, on vous conseille de le faire la nuit quand il n'y a plus aucune énergie active autour de vous et vous laisserez tomber la famille, en fait tout ce qui fait le corps physique autour de vous. Alors, on me dit, oui, il y a des portes. Alors, moi, j'en connais deux, je vais vous les donner. Non, j'en connais trois. Excusez-moi. Il y a ici à Borée, donc je vous donne le conseil d'aller voir Boree, hein, le petit village, c'est un tout petit village près du mont Mézenc. Il y a Notre-Dame de la Consolation qui se trouve dans le Jura, là-bas. D'accord? Notre-Dame de la Consolation, allez voir par vous-même. Et il y a aussi en Alsace, parce que c'est trois endroits que moi, il y en a sans doute d'autres, mais que je connais très bien, Saint-Jean-Saverne, qui se trouve en Alsace, dans le Bas-Rhin. Et Saint-Jean-Saverne, et au-dessus, vous avez le cercle des druides, et en dessous, vous avez la grotte des sorcières. Et il y avait d'ailleurs un arbre à baguettes, où j'allais chercher mes baguettes. Enfin, c'est un arbre qui donnait des baguettes. Enfin, c'est assez impressionnant. Voilà, j'ai eu la chance parce que il faut avoir l'esprit ouvert, hein. Donc ici, justement, ça vous fait rentrer dans une autre réalité, de passer par. Ah ouais, mais là, vous revenez à autre chose, à un autre état, si vous voulez, et on vous donne la possibilité de revenir ou de ne pas revenir. D'accord? Donc c'est vous qui choisirez. Après, là, vous aurez la réussite par rapport à un renouvellement, un recommencement par rapport à une autre matière. Donc oui, c'est possible. En fait, si vous faites fonctionner votre cerveau, si vous allez dans ces endroits énergétiques puissants, automatiquement, il va se produire des événements qui vont transcender votre matière et vous pourrez passer à travers le temps et aller visiter les temps passés, les temps futurs, etc. Et vous aurez accès aussi, là, c'est un code que je vois, pas un code, mais une révélation que je vous dis, puisque j'en ai parlé dans les 7 portes, je vous encourage à aller revoir la vidéo, où pour moi, il y a 7 mondes superposés. Il n'y a pas que le temps matière, le temps et l'espace, si vous voulez, il y a aussi les superpositions. D'ailleurs, on parle des 7 cordes en mathématiques quantiques. Voilà la loi des cordes. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire? D'accord. Donc de chez vous déjà, vous pouvez commencer à travailler sur le sujet et vous aurez accès à une autre réalité qui sera beaucoup plus évidente pour vous. Et on vous dit clairement, ce sera tellement une nouvelle vie, tellement vous serez bien, qu'il y a des possibilités que vous ne reveniez pas parce que vous serez passé à autre chose. Dites-vous bien, les amis, mais ça, c'est quelque chose que je connais très bien. Le corps est composé de 66% d'eau. C'est pas anodin, c'est pas pour rien s'il est composé de 66% d'eau. Tout est liquide. Vous avez bien vu quand vous tombez amoureux de quelqu'un ou quoi que ce soit, vous n'arrivez pas à quantifier les choses, vous ne pouvez pas les mettre dans la matière. Ben c'est ça, la magie ou l'espace-temps ou le voyage à travers le temps ne peut se faire que si vous vous transformez en facteur d'onde, d'accord? Et pour cela, nous avons besoin de la glande pinéale. Vous commencez à comprendre? C'est la glande pinéale. Vous devez travailler sur le sujet. Je vous encourage à réfléchir à la chose. Donc, le voyage à travers le temps, oui, ça suppose un état de conscience modifié, ça c'est sûr. Une autre réalité de vie, si vous voulez rester dans votre matière, tant que vous resterez dans votre matière, rien ne se passera. Vous devez annuler toutes vos croyances, l'argent, enfin la matière entre guillemets, et automatiquement, vous mettez en méditation, comme j'ai dit, à 18 h le soir, entre 16 h et 18 h, grosso modo,
on dit, et à 3h15 du matin, si vous êtes réveillé, de toute façon, vous serez réveillé à un moment donné ou à un autre, et automatiquement, vous allez passer dans une autre réalité où vous serez en maîtrise dans ce voyage à travers le temps, mais pas que. Il y aura d'autres réalités dans lesquelles vous allez rentrer. Finalement, on aurait pu parler de ça comme un cours de magie. D'accord? C'est un cours de magie, en fait. D'accord? Mais enfin, bon, c'est comme ça. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le voyage à travers le temps. Il existe véritablement, mais il y a des endroits clés, mais en aucun cas, ça ne peut être fait par une machine. C'est quelque chose qui existe véritablement, mais à vous de rentrer comment dirais-je? Vous devez rentrer en osmose, et vous devez d'abord apprendre les choses, changer votre vie, et automatiquement les choses se réalisent. Mais ça, c'est le monde de la magie, excellence de la connaissance en sanskrit, en araméen, et science en chaldéen. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à demain pour d'autres aventures. Bye bye!